Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Voilà, une émission Moseka Malheur Moderne, beauté, beauté. Voilà, aujourd'hui notre plat du jour, c'est un plat que je vais classer dans la catégorie fin de mois difficile, cuisine de l'internat, cuisine rapide. Il s'agit d'un gratin aux œufs. C'est un plat que j'ai réellement mangé à l'internat. Souvent, c'était proposé au souper. Et il faut savoir qu'en Europe, dans la plupart des familles européennes, on ne mange pas spécialement un repas chaud deux fois par jour. Donc, ils choisissent un des deux repas parfois pour faire des tartines. D'ailleurs, les hôpitaux donnent des plats à l'image de ce qui se fait en Europe. Souvent, si vous êtes à l'hôpital en Belgique, vous verrez qu'à midi, vous aurez certainement un bon plat. Et le soir, ça va être tartines, charcuterie, ce genre de choses. Eh bien, à l'internat, c'est exactement pareil. Donc, parfois, le soir, c'est que des œufs, pommes de terre, pas de légumes. Donc, ici, je suis un peu nostalgique. Et en plus, j'ai communiqué ce goût à mes filles. Donc, j'ai deux de mes filles qui aiment vraiment le gratin aux œufs. Donc, plus vite, je vais maintenant vous présenter les ingrédients. Voilà, pour réaliser cette recette de gratin aux œufs, vous aurez besoin des éléments nécessaires pour faire une sauce béchamel allégée. Je vous renvoie vers ma vidéo sauce béchamel allégée. C'est-à-dire, ici on va faire une petite quantité, donc 4 cuillères à soupe de maïzena, 400 ml de lait demi-écrémé. Ensuite, pour la recette en elle-même, vous aurez besoin de 3 œufs cuits durs, je les ai déjà cuits. Et vous aurez besoin d'à peu près, on va dire, 500 g de pommes de terre épluchées. Vous aurez besoin de fromage râpé, de votre choix, gruyère, emmental, du sel, du poivre, de la noix de muscade. C'est exactement tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser ce gratin aux œufs. Voilà, maintenant nous allons passer au fourneau. Voilà, dans l'eau bouillante salée, nous allons cuire nos pommes de terre. Et nous allons nous préparer à réaliser notre béchamel. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre lait. Voilà, je vous montre. On met le lait donc dans la casserole. On garde un peu de lait pour diluer la maïzena. Voilà, on va diluer. Dans le lait froid. Pendant ce temps, on allume donc on a nos pommes de terre qui sont en train de cuire. On prépare notre béchamel. Voilà, donc c'est allumé. On sort notre fouet. On va mettre ça là-dedans et on va tourner. Voilà, donc on va réaliser notre béchamel.
ici, on va couvrir. De tout mettre, donc on va tourner jusqu'à ce que ça commence à bien épaissir. On va mettre du sel. Voilà. Un peu de noix de muscade. En fait, j'essaie de faire cette recette sans apport de matière grasse supplémentaire, à part le fromage. Parce que sinon, il y en a qui mettraient du beurre dans la béchamel et peut-être du beurre dans la purée. Donc, je suis très attentive à ça. Je ne vais pas mettre deux fois du beurre. La seule matière grasse qu'il y aura, c'est le fromage. Voilà. Le petit coup de pouce, c'était pour que ça puisse bouillir plus vite. C'est bon. Ça va plus vite cuire. Ensuite, on va mettre un petit chouïa de fromage pour donner du goût. Du poivre. Voilà, donc nos pommes de terre sont cuites, on va les égoutter. Et notre béchamel est prête. On égoutte tout ça et on se retrouve pour le dressage de notre gratin. Voilà. Voilà, à présent on va écraser nos pommes de terre. J'insiste, je ne souhaite pas apporter... un complément de matière grasse à la recette. Donc je vais mettre un peu de sel parce qu'on en a déjà mis à la cuisson. Je vais mettre un peu de noix de muscade. On relève bien le goût. Et un tout petit peu de poivre. Voilà. Et j'écrase mes pommes de terre. C'est pas nécessaire d'écraser aussi bien qu'une purée. Hein. Ça doit être juste des pommes de terre écrasées. Voilà. Donc, je vais aller chercher ma sauce. Voilà, j'ai ramené ma sauce. Donc, on va commencer le dressage dans un plat qui va au four. Là, j'ai pris un petit parce que la dose ici, c'est pour une personne, voire deux enfants. Deux petits-enfants. Voilà. Donc je vais mettre mes pommes de terre. On peut aussi innover en mettant des légumes, mais le plat en lui-même, tel que je l'ai connu, était servi comme ça, il n'y avait pas de légumes. On pourrait mettre, si les enfants aiment les brocolis, on mettrait des brocolis ou des champignons. On peut essayer d'aller vers les légumes que les enfants aiment. Les pommes de terre. Voilà. Ensuite, on va mettre de la sauce. On met déjà un peu de sauce pour que ça ait un bon goût. Évidemment, est déjà bien assaisonné. Et là, on a nos œufs. J'insiste, la cuisson des œufs bien jaunes. 3 œufs qu'on a coupés en deux. On va les placer comme ça.
rapidement. Voilà. À nos œufs. Et on termine par la sauce. On recouvre. Voilà. C'est notre quotidien. À l'internat, c'était régulier. Ce genre de plat, comme c'est un plat moins cher, qui m'ouïe bien mindele. Au footy internat, mais au liamaki. Voilà. Ensuite, on va terminer par du fromage. Là, je vais être bien généreuse parce qu'il n'y a rien d'autre que matière grasse et en plus mes enfants aiment ça. Le but étant d'avoir une croûte sur le dessus pour gratiner. Donc le gratin, c'est ça. Hein. Vous pouvez aussi mettre deux sortes de fromage si ça vous dit. Voilà. Voilà, maintenant on peut enfourner à 180 degrés. Pour le nombre de minutes, il faut observer. Si vous voyez que ça commence à avoir la bonne coloration, vous stoppez parce qu'il n'y a rien de cru là-dedans. Donc voilà. On reviendra après la cuisson. Et voilà, c'est prêt, je vous montre. Voilà, je vais couper et je vais servir. Alors, c'est pour ça qu'on a mis chaque fois un œuf comme ça, pour pouvoir à peu près tomber juste. Vous voyez? Je vais essayer de m'y prendre. Il y a une croûte qui s'est formée. Voilà. Il y a de la pomme de terre. Et voilà. Vous voyez ça? Notre assiette est prête. Voilà, c'est une assiette comme à la maison, sans chichi. Donc, pour un dressage 3 étoiles, c'est pas aujourd'hui. Voilà, donc j'ai voulu vous montrer ce qu'on mangeait à l'internat et ce que mes filles aiment. Un gratin aux œufs. Voilà, elles aiment bien une bonne croûte comme ça. C'est facile à faire. Chic et pas cher. Voilà, un petit conseil du jour. Étant donné qu'on trouve des œufs pratiquement dans tout, dans les charcuteries, dans les préparations, il est conseillé de ne pas dépasser 2 à 3 œufs par semaine. Des œufs sans mélange, hein, puisque vous pouvez en consommer dans les crêpes, dans beaucoup de choses. Donc, essayez de ne pas être en mode « je mange une omelette chaque jour » ou un gratin aux œufs chaque jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Mon Secret de Malheur Moderne vous dit au revoir.
'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui fait l'émission Moseka de Malewa Moderne. Up the wind.